Alors, bonjour, chers choisis de Jésus. Bienvenue aujourd'hui en ce mercredi 25 novembre déjà. Le temps passe un mois avant Noël, en fait, jour pour jour. Et 10 minutes avant l'apparition de la Vierge Marie à Medjugorje, parce que on est le 25. Donc, aujourd'hui, j'ai été inspirée de parler de l'importance de s'incarner dans le moment présent. Et le message que je vais choisir de vous lire aujourd'hui est en lien avec cela aussi. Parce que c'est vraiment important de s'incarner dans le présent. Tout nous est donné dans le moment présent, en tout temps. Et malgré les circonstances actuelles, malgré tout ce qui brasse, malgré les difficultés, Dieu, il nous invite toujours à nous élever au-dessus de tout ce qui se passe pour vraiment se mettre en lien avec lui. Et lui, il va prendre soin des moindres détails. On n'a même pas à craindre rien. Et c'est ce que le message 219 du volume 1 nous invite à faire aussi. Alors, le titre du message 219, c'est de faire abstraction totale du passé, bon ou mauvais, et de ne pas s'inquiéter du futur pour prendre conscience du moment présent. Et dans le moment présent, il y a toujours plein de belles choses qu'on peut accomplir. Le Seigneur nous dit ceci. Mon tout petit, ma toute petite, toi que j'ai choisi, laisse-toi de plus en plus guider, conduire et inspirer par moi, ton Dieu. Cette grâce que tu as de te laisser conduire va te permettre de traverser ce grand passage qui t'amène de l'autre côté de la rive. Alors, ce message-là nous invite à nous rendre de l'autre côté de la rive. C'est sur cette rive qu'existe l'amour en plénitude, là où tous les êtres sont des êtres d'amour, ne laissant aucune place pour ce qui est contraire à l'amour. Heureux, heureuse es-tu d'être sur ce traversier. Nos oui nous permettent d'être sur ce traversier. Pour bénéficier pleinement des nombreuses grâces qui sont déversées sur vous en ce moment. Alors en ce moment, je vous invite à ouvrir votre cœur pour vraiment laisser entrer toutes les grâces que le Seigneur veut déverser dans vos cœurs et sur tous ceux que vous portez dans votre cœur. Vous devez apprendre à vivre pleinement le moment présent, voire à faire abstraction du passé, bon ou mauvais. Vous savez, les pensées qui nous viennent pas toujours de la bonne source. Alors, parfois, il faut vraiment se remettre entre les mains de Dieu, redescendre dans notre cœur pour aller retrouver cette paix-là sur la rive où l'amour est là en plénitude pour pouvoir retrouver notre paix et notre joie de vivre. Car ayant été donné à la miséricorde du Père, notre passé, il n'a plus d'importance. Quand ça a été vraiment remis au sacrement du pardon, d'une façon honnête et sincère, authentique, et que là, ça revient occasionnellement, ben, ça vient pas de la source de Dieu qui vient nous tourmenter. C'est toujours de l'adversaire qui veut nous amener dans un autre état.
Alors, retournons simplement sur la rive de l'amour. Et une seule chose est réellement importante qu'il nous dit le Seigneur, et c'est le moment présent. S'incarner dans le moment présent, c'est bien important. C'est l'amour qui est déversé dans ton cœur et l'intimité que nous avons ensemble, toi en moi et moi en toi. Alors, se sentir habité par le Christ, par Jésus, et sentir aussi qu'on habite le cœur de Jésus, que l'on fait un avec lui. Il nous dit aussi, lorsque tu prends conscience de l'importance du moment présent, des grâces et de l'amour qui sont déversés en toi à chaque instant, ton cœur se dilate et devient donc capable de recevoir davantage pour l'instant qui suit. Alors, quand on s'incarne véritablement dans le moment présent, avec le Christ qui nous habite, sachant qu'il est là en toutes circonstances, bien, nos yeux peuvent s'ouvrir et voir les choses que, ou les événements que le Seigneur met sur notre route pour notre cheminement, pour vraiment continuer notre cheminement. Alors, c'est ce qui fait que tu es en croissance continuelle. Il nous dit aussi, comme tu sais que le Père ne retire jamais ses grâces et son amour, mais qu'au contraire, il en donne de plus en plus, comment oserais-tu te préoccuper ou t'inquiéter du futur? Il y a plein de fabulations actuellement, hein, de ce qui pourrait arriver, mais en fait, le plan de Dieu, là, ça, l'esprit du monde ne le connaît pas. Alors, il faut vraiment se remettre dans ses mains à lui et se mettre en état de prière pour garder notre paix. C'est très important. Alors, on n'a pas à s'inquiéter du futur parce qu'on est assuré de plus en plus que le Seigneur prend soin des moindres détails et que nous sommes comblés à l'intérieur de nous, à l'intérieur de toi, que le Seigneur nous dit, peu importe les apparences ou ce que tu auras à vivre à l'extérieur. Donc, si on est dans cette paix-là, dans cette plénitude-là, tout ce qui va arriver à l'extérieur va nous couler sur le dos comme de l'eau sur le dos d'un canard, disons. Parce qu'on va être vraiment branché à la source même de l'amour. C'est ça à quoi nous sommes invités dans ce message-là. De plus, sachant et ayant expérimenté ce qui est important, essentiel, eh bien, c'est ce que tu vis à l'intérieur et non pas ce qui se passe à l'extérieur. Vous savez, des fois, on a des discussions avec des gens qu'on aime, puis des fois, on n'est pas là du tout, hein? On est complètement dans d'autres choses, si on est dans le passé ou dans le futur. Alors que si on s'incarne dans le présent, bien là, on va être véritablement présent à l'autre et on va pouvoir avoir un échange dans l'amour, dans la paix. Tu ne peux plus t'inquiéter ni te préoccuper de rien. Ta véritable sécurité, elle est là, par ailleurs. Alors, notre sécurité, elle est vraiment dans notre cœur. Parce qu'en tout lieu, en toutes circonstances, on peut louer Dieu, on peut prier et on peut confier tous ceux et celles qui habitent notre cœur, puis qu'on peut être inquiète pour eux. On a ce pouvoir-là dans l'invisible, dans le fond, de pouvoir semer de l'amour chez ceux qu'on sait qui ont besoin de paix eux aussi et les confier. Alors, il nous dit « heureux et heureuse ». Êtes-vous de l'avoir découvert, d'y croire, de vous y attacher et de le vivre pleinement. Ensemble, goûtons et bénéficions pleinement de l'amour et des grâces du moment présent.
Reçois mon amour, accepte que je t'aime, laisse-toi aimer. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Alors, je nous souhaite à tous et toutes, chers choisis de Jésus, mes petits frères et mes petites sœurs en Christ, de développer ce que Jésus nous interpelle dans ce message-là, à s'incarner véritablement dans le présent et à le laisser vraiment habiter nos cœurs, régner dans nos cœurs, comme nous venons de fêter là, le Christ roi, le laisser régner dans nos cœurs, dans notre âme, dans notre esprit, et de devenir amour pour les autres, et de travailler dans l'invisible aussi, à semer de l'amour, à confier tous ceux qu'on porte dans notre cœur, qu'on sait qu'ils ont besoin de rencontrer cet amour-là, cette relation-là avec le Christ, qu'on sait que ça pourrait changer leur vie, bien d'être sûr et certain que le Seigneur prend en main ces personnes-là qu'on lui offre et qu'en son temps, il va aller rejoindre leur cœur. Alors, contaminons la terre entière dans l'invisible avec nos prières d'intercession dans l'amour. Contaminons tous ceux qu'on porte dans notre cœur de l'amour, d'amour. Contaminons-les d'amour en plénitude. Je ne sais pas s'il y a quelques commentaires. Sandrine, allô Sandrine, petite sœur en Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les merveilles que tu as fait et que tu fais et que tu feras. J'ai confiance. Merci, mon Dieu. Merci pour ce beau commentaire-là, Sandrine. Moi aussi, j'ai confiance. Patricia, Seigneur, je me remets entre tes mains, ainsi que ma famille entière. Merci pour ces paroles qui me vont droit au cœur aujourd'hui. Merci de t'accompagner d'une façon exceptionnelle. Amen. Merci Patricia, puis merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans le cœur de tous tes choisis à travers le monde. Josiane, bonsoir Nancy. Oui, Jésus, je te fais confiance et je t'aime. Mon Dieu, je crois, j'espère et j'aime. Pardon pour ceux qui ne croient pas et qui n'aiment pas. C'est une très belle prière, Josiane, que je fais moi aussi régulièrement. Chantal, Seigneur, aide-moi à retrouver cette paix intérieure afin que puisse vivre pleinement cet amour. J'ai confiance en toi. Merci pour ce bel enseignement. Oui, Seigneur, merci d'exaucer la prière de ma petite sœur et de lui faire retrouver cette paix qu'elle demande, qu'elle te demande de retrouver. Alors, Ricardo, merci, soyez bénis. Soyez bénis. Dieu est à l'œuvre, confiance et joie de se savoir aimer par l'amour même. L'amour même. C'est un beau jeu de mots, hein? L'amour même. Et voilà. Merci à toi, Ricardo. Micheline, merci, Seigneur Jésus-Christ. J'ai confiance en toi. Merci, Micheline. Sois bénie en plénitude et en abondance. Françoise, merci, Seigneur, d'être toujours là pour moi. Je t'aime. Alors, merci à tous et à toutes pour votre présence. Merci pour vos oui et merci de vous incarner dans le présent. Parce que c'est là que le Seigneur nous veut. C'est dans le présent, en étant attentif aux personnes qui met autour de nous, puis aux petites semences d'amour qu'on peut faire aussi. Et contaminons le monde entier dans l'invisible, dans l'amour. Puis c'est une grâce, hein? C'est une chance que nous ayons ces moyens-là pour nous laisser transformer, pour se laisser aimer et pour le laisser conduire notre vie. C'est une bénédiction dans notre vie. Alors, utilisons-les, ces moyens-là.
soyez bénie et que Marie, en cette journée spéciale, vous prenne dans son manteau d'amour, que le Seigneur vous comble de ses grâces et de ses bénédictions. Et puis, bien, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Et parce que l'amour m'aime, tiens, je deviens l'amour. Voilà, bonne journée et à demain avec Léandre. Au revoir.